cellules ciliées et sont audibles par l'oreille humaine. On a vu dans une autre séquence que l'audition correspond à la perception par l'oreille de vibrations sonores, les sons, les bruits, la musique, etc. Et que cette perception, elle est d'abord assurée par l'oreille externe, celle que l'on voit sur les côtés de notre tête. Elle est transmise ensuite sous forme de vibrations à l'oreille moyenne, constituée du tympan et des osselets. Puis, ces osselets transmettent leurs vibrations à l'oreille interne, qui est constituée du vestibule et de la cochlée. Le vestibule est impliqué dans l'équilibre, alors que la cochlée, sur laquelle on va revenir ici, est impliquée dans la genèse de signaux nerveux qui vont ensuite être envoyés au cortex, et en particulier ici au cortex auditif, et c'est alors qu'on aura la sensation d'entendre quelque chose. Les sons perçus par l'audition humaine sont d'abord qualifiables en termes d'intensité. L'unité d'intensité, c'est le décibel. Et l'oreille humaine est capable d'entendre des sons variant de 0 à 120 décibels environ. Au-delà de 120 décibels, on va apporter, puisque le son est trop fort, des dommages irréversibles à l'oreille humaine. Et puis en termes de fréquence, les sons sont qualifiables aussi, on les appelle sons graves ou sons aigus. Lorsque la fréquence est basse, autour de 20 Hz ou un petit peu plus, le son va être grave. Et puis plus le son va être aigu, plus sa fréquence va être élevée, l'oreille humaine étant capable de percevoir des sons jusqu'à environ 20 000 Hz ou 20 kHz. J'ai représenté ici de façon simplifiée la cochlée, qui a une organisation un petit peu en spirale ou en escargot. La présence de cellules capables d'enregistrer les sons les plus aigus se trouve au niveau de la base de la cochlée. Et vous voyez qu'en fait, la fréquence du son a une influence sur l'endroit où il va être perçu. Plus on se déplace vers l'intérieur, on dit aussi vers l'apex de la cochlée, plus les sons perçus correspondent aux sons graves, jusqu'aux sons les plus graves, autour de 20 Hz, qui sont perçus par les cellules ici, au cœur de la cochlée. Cette organisation des cellules et de la sensibilité qu'elles ont aux différentes fréquences s'appelle la tonotopie cochléaire. Maintenant, j'ai représenté ici à une autre échelle une cellule ciliée cochléaire. Les cellules cochléaires, elles ont différentes formes, mais elles possèdent toutes à leur surface des cils qui sont des prolongements de leur membrane. On les appelle cils vibratiles car ils sont capables de mouvements dans un sens ou dans l'autre. Les mouvements des cils vont être coordonnés, notamment grâce à ces petites structures que j'ai représentées en jaune et qui les relient les uns aux autres. Lorsqu'il va y avoir mouvement à cause des vibrations transmises depuis l'oreille externe vers l'oreille interne, lorsqu'il va y avoir mouvement des cils, eh bien il va y avoir transmission de ce message à un neurone que j'ai représenté en violet ici. Il n'est pas en entier, on voit juste un prolongement neuronal. Et il va y avoir alors naissance d'un signal nerveux qui va partir de la cellule cochléaire et qui ensuite sera transmis tout le long du neurone, puis du nerf auditif jusqu'au cortex auditif. On peut donc dire qu'on part d'un signal mécanique, puisqu'il y a vibration des cils suite au son qui a été capté par l'oreille d'abord externe puis moyenne. Et ensuite, il y a une transduction, c'est-à-dire une transformation. Ici, on parle de transduction mécano-nerveuse ou mécano-électrique, puisque les signaux nerveux sont des signaux de nature électrique. La cellule ciliée et le neurone sensoriel auquel elle est reliée sont donc capables d'une transduction et c'est donc elles qui vont jouer le rôle de récepteur au son au niveau de l'oreille interne, puis qui vont transmettre ce signal, cette fois-ci sous forme électrique, nerveuse, au sein du nerf vestibulo-cochléaire jusqu'au cortex auditif. On peut donc dire que l'oreille humaine est capable de percevoir des sons de nature diverse, avec une intensité variant de 0 à 120 décibels, des sons plutôt graves ou des sons plutôt aigus. Selon la nature, selon la fréquence du son, ce ne seront pas les mêmes cellules cochléaires qui seront impliquées, mais le mécanisme sera toujours le même. La vibration de cils à la surface de ces cellules cochléaires va permettre de générer des signaux nerveux de nature électrique, transmis ensuite jusqu'au cerveau. Ces cellules ciliées, nous en avons environ 16 000, elles sont assez fragiles et endommagées par les hautes fréquences. Par ailleurs, elles se mettent en place pendant le développement embryonnaire et ensuite le capital est limité, c'est-à-dire qu'elles ne se régénèrent pas. C'est la raison pour laquelle l'écoute à répétition de sons qui sont trop forts ou trop aigus endommagent de façon irréversible notre audition et peuvent même amener à la surdité. Finalement, la perception de ces signaux auditifs qui arrivent sous forme nerveuse, donc sous forme électrique, correspond aux autres modes de perception dans nos sens. En effet, que ce soit pour la vision, pour l'ouïe, pour l'odorat, pour le toucher, pour le goût, lorsque le cerveau reçoit un message, c'est un message de nature nerveuse, donc électrique. Autrement dit, tous nos récepteurs sensoriels sont capables de transduction et donc ils sont capables de transformer des signaux de nature diverse, tous ceux qui nous entourent, en signaux électriques qui seront ensuite reçus, perçus et interprétés par le cerveau.